Shabbat Shalom Vorach, Chodesh Tov et Samer, le Kolam Israël, Be'ezrat Hashem, Be'shem Hashem, Naseh, Ve'natzliach. On est aujourd'hui le vendredi 22 mai, le Kafret du mois de Yar, Yom Yerushalayim, Tibane Vetikonen, Bimher, Abiyamenu, Amen. Un jour exceptionnel, on n'a pas du tout notion de la grandeur de ce jour. Yom Yerushalayim, j'ai fini le Hallel sans bracha en entier. Pour remercier Akadosh Baruch Hu au nom de vous tous, Be'ezrat Hashem, qui nous suivez, de miracles incommensurables. Ma machdine de la mer Rouge, qui s'est ouverte pour le peuple d'Israël, de cette guerre des six jours qui a clôturé une situation surnaturelle, on peut dire, vraiment. Maot Kedai, vraiment. Je le dis souvent qu'après les cinq livres de la Torah, il y a le Nar, et qu'après le Nar, il y a nous. Comme vous le savez, le Talmud ne fait pas partie du Nar. Le Talmud, c'est la suite de l'histoire des Zougot, puis des Tanaïm, des Amorim, des Seborim, Géonim, Rishonim, Acharonim, et il y a nous. On continue l'histoire et quand on voit Baruch Hashem combien Kadosh Baruch Hu est avec nous, surtout pendant la guerre des six jours, il y a lieu vraiment de remercier Hashem de tout son cœur pour ce miracle incommensurable. Aujourd'hui, on étudiera deux cours, donc on se verra deux fois de suite minimum, peut-être trois, on verra selon la force que vous aurez à m'écouter et moi à en parler. On va étudier petit 1 sur la parasha de la semaine, donc le cours de maintenant qui sera dédié et acheté par Yekutiel Ben Esther, donc Mechila Yekutiel d'avoir mis du temps, j'ai une liste, donc j'essaie de faire ce que je peux. Yekutiel Ben Esther, c'est pour la refoua de David Menachem Mendel Ben Chava Fricha, Bezrat Hashem, l'élévation de l'âme de Serach Bat Sara Zichrona Livracha. Donc sans plus tarder, Bezrat Hashem, le shiur commence sur la paracha de la semaine, paracha du quatrième livre de la Torah, puisqu'on est dans la paracha de Bamidbar, Bezrat Hashem. Et sans plus tarder, juste, on rappellera aussi la refoua shlema de Eli Eliaou ben Chana Anna El Narefanalo, Mitor Shar ben Israël, Ufren Shematov Sarah Batfani, refoua shlema refoua tenefesh refoua taguf, Ufren Simcha bat Sarah, Ukolam Israël, Morat Mir Gdosha bat Torah, Sarah Tzalia bat Efrat Miriam, Leilou Nishmat Kol Mete Israël, Ubichlalam Nisim Chaim ben Tzipora, Alava Shalom, Shalach Libet Olamo, Roh Hashem Tenahenam, Began Haiden, Elon Bechol Shorvim Imo. Tov, vous pouvez bien entendu dédier ce shiur aussi pour votre réussite personnelle, pour les louis nishmat de vos proches, pour la refoua shlema, shel kol am Israël, bechol atar ve'atar, pour une bonne parnassa pour vous tous. On est dans une épreuve très difficile en ce moment avec la parnassa. Beaucoup de gens sont hésitants, mais tzadik be'emunato yichye, celui qui a de l'emuna n'a peur de rien. Yala, on commence ce shiur avec une paracha un peu bizarre. On a beaucoup de noms dans cette paracha. Je crois même que c'est la paracha où il y a le plus de noms. On parle du début jusqu'à la fin. Des noms des enfants d'Israël, des tribus, des Lévi'im essentiellement, et puis des Galim. Vous savez que Akadosh Baruch Hu mishtabeach sur les Dégalim, sur les drapeaux du peuple d'Israël, puisque Veshachanti betor ben Israël, je m'installerai, dit Hachem, parmi vous, à l'intérieur de vous. Et si vous regardez bien, comme l'ancien les Chachamim, comme Rabbeinu Bachye, que le nom des chefs de tribus qui sont donc par trois, il y a donc 12 tribus, donc 3, 3, 3 et 3 qui forment un carré. Eh bien, le nom du centre, c'est Netanel, Shlumiel, Gamliel et Pagiel, tandis que les autres ne finissent pas par El, qui est le nom de Dieu, pour nous enseigner que Hachem, dès qu'on a les Dégalim, dès qu'on a le drapeau qui représente chaque tribu, s'installe vraiment parmi les enfants d'Israël, à un tel point que le Zohar HaKadosh nous apprend que les anges eux-mêmes ont été particulièrement jaloux dès qu'ils ont vu les drapeaux d'Israël. On a déjà fait un shiur sur cela. Donc, on va prendre quelques psukim, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir un peu parler de la situation. Alors, je lis, je traduis avec l'aide d'Hachem, Parashat Shavua et Parashat Bamidbar, comme le dit le Chida Kadosh. Pourquoi Davka Bamidbar? Quel intérêt est-ce qu'on a eu à donner cette parashat dans le livre de Bamidbar? Depuis le début, on était dans le Midbar. Eh bien, pour nous enseigner une chose fondamentale, c'est que seul celui qui est humble comme un désert, qui ne peut s'enorgueillir de rien, car il n'y a rien dans un désert, eh bien, peut conquérir la Torah. Celui seulement qui est humble, en tant que personnage, lui qui a l'image de Moshe, était humble avec une petite montagne, seule l'humilité peut permettre de se remplir, Bezrat Hashem, de la grandeur et de la valeur de la Torah. Le verset nous dit, Vaidaber Adonai el Moshe, Bemidbar Sinai. Le mot Bemidbar, donc Midbar, Bemidbar, si vous avez bien compris, le désert, vient du mot Medaber. De là, on comprendra que ce que veut Akadosh Baruch Hu avec le peuple d'Israël, c'est le dialogue. Bamidbar, Medaber. Ainsi, Akadosh Baruch Hu nous demande, Bezrat Hashem, de dialoguer avec lui, que ce soit dans le domaine de l'Aïdbodédou, de la Tfila ou de l'étude de la Torah. Par exemple, Dieu a dit 40 coups de bâton, les Chachamim ont dit 39. Dieu a demandé certaines choses
vis-à-vis des hommes. Comme vous ne mélangerez pas le lait et la viande, nous, on a décidé que c'était 6 heures. Donc, en d'autres termes, la Torah est un dialogue, et pour cela, il faut venir dans le désert, c'est-à-dire de façon assez neutre, pour pouvoir, Bezrat Hashem, dialoguer pour la Torah. C'est-à-dire, non chercher mes intérêts, mais rechercher le Emet. Et donc, quand on recherche le Emet, comme on dit, Nagua Bedavar, quand tu as un jugement à faire, et que tu vas voir une personne qui a des intérêts dans ce jugement, il ne peut pas juger correctement. Donc le Midbar dont on parle fait allusion justement au fait que le Midbar n'a pas d'intérêt de par lui-même à recevoir la Torah ni le dialogue, parce que le Midbar en lui-même n'a pas de mitzvot. Il n'y a pas de mitzvah qui est comparée au Midbar quelconque. On n'a pas à tout installer dans le désert nulle part. Donc pourquoi le Midbar? Parce que c'est un endroit qui est tellement neutre qu'elle reste totalement objective vis-à-vis de la Torah. Tandis que si ça avait été donné en Eretz Israël, Eretz Israël a été faite pour la pratique de la Torah et des mitzvot, ainsi donc elle aurait trouvé son intérêt et donné son avis, mais par intérêt. Sauf quand tu auras Bezrat Hashem, la Shrine elle-même qui s'y installera, chez les Marquis, Mitzion, Titsa Torah, Var Hashem, Yerushalayim. Sans plus tarder, Bamidbar, Ole Gematria, 248. Quand on fait la Gematria du mot Bamidbar, le désert, les Chachamim nous disent, ça fait 248 en Gematria, comme le mot Baderer Tova, sur le bon chemin. Hen Gematria 248 aussi. Oba, Torah le lamdenu, car la Torah vient nous enseigner par cela. Shafalpi, Shakadou Bachou, Olich et Avotanou Bamidbar, Shabaderer Klal, Midbar, Umakom, Yavesh, étant donné que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le désert, Bederech Tova, ça vient nous enseigner quelque chose d'important pour nous tous les jours de la vie. Et quoi? Kachel itkayembo, l'orechzman, car tout comme dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'animaux à tuer qui sont consommables, il n'y a absolument rien. Bechol zot, livnei Israël, lo ayu shum koshi badavar. On a vu que les enfants d'Israël, à travers les 42 stations dans le désert, ont parfaitement bien vécu. Et ils ont bu jusqu'à être Baruch Hashem et mangé, rassasié. Ils n'ont pas eu de problème. Parce que Akadosh Baruch Hu les a emmenés sur un bon chemin de l'étude de la Torah. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Velorer kol masa'am bamidbar. Ça vient nous enseigner que quand tu étudies la Torah, en général, même quand tu dis à des parents, tu sais, je veux devenir Bachur Yeshiva, je veux devenir Avrech, c'est-à-dire un kolelman, quelqu'un qui va étudier, on dit, oui, mais comment tu vas faire pour vivre? La réponse à lui donner, c'est tout comme Dieu nous a nourri un peuple entier, 3 millions d'individus dans le désert, pour aller chercher la Torah, il nous a envoyé la manne, il nous a envoyé l'eau de Myriam, de la même façon, Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pourquoi on commence par la parasha Bamidbar. Parce qu'il est bon de nous rappeler que celui qui veut vraiment adhérer à l'étude de la Torah et les mitzvot, il va dire, mais comment tu vas vivre? Comment tu vas payer ton loyer? Comment tu vas payer tes courses? Comment tu vas payer l'école de tes enfants? Comment? Il te dit, c'est très simple, tu répondras, comment 3 millions d'individus, ils étaient dans le désert pendant 40 ans et pourtant ils sont mangés, ils ont bu, ils ont dormi, ils étaient protégés. Comment c'est possible? Omer Bederer Tova, il y a une condition à cela. C'est que non seulement il faut que tu fasses les choses au nom d'Hachem et pas par intérêt, et que la Torah que tu vas étudier t'emmène sur un bon chemin, c'est-à-dire que tu deviennes meilleur. Mais si tu es une personne mauvaise, si tu es une personne qui ne te donne pas l'étude de la Torah comme il le faut, alors ne t'étonne pas de manquer d'un coup de certaines dimensions dans lesquelles tu vas vivre. Pourquoi? Parce que lo bederer tova. Tandis que bederer tova, dans le bon chemin, disent les chachamim, c'est gematria bamidbar. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont mérité de recevoir la manne, ont mérité de recevoir le puits de Myriam, ont mérité les nuées de Aaron pour les protéger? Parce qu'ayou bederer tova, parce qu'ils étaient guidés par Dieu. Mais si toi, tu veux guider ton propre chemin et vivre ton judaïsme personnel, alors là, tu vas te retrouver dans un vrai désert dans ta vie, et en fin de compte, tu risques de tomber très bas, voire d'en mourir, chasvechom, de soif ou de faim, parce que justement, tu ne vis pas la Torah dans un bon chemin. Et quel est le chemin dont on parle? La joie de pratiquer la Torah, le judaïsme, la joie d'étudier la Torah, et la joie, Bezrat Hashem, de donner de la joie aux autres. Parce qu'il faut savoir que Bederer Tova, tout comme Akadosh Baruch Hu, nous a jamais déçus. De la même façon, celui qui devient Bachur Yeshiva doit être quelqu'un qui, lui, devient une nuée de gloire le jour, pour sa famille et ses amis, et une nuée de feu la nuit, pour ceux qui sont dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il devient une lumière pour ceux qui sont loin de la Torah. Si tu es comme cela, grâce à la Torah que tu étudies, tu peux être certain qu'Akadosh Baruch Hu subviendra tous tes besoins. D'où la Gematria de 248, Bederer Tova. Il y en a qui disent, oui, Bederer Tova, c'est 248, comme quoi? Comme Avraham Avinu. Et quel rapport avec Avraham Avinu? Il dit tout simplement, car toute l'abondance que Dieu a fait descendre sur les enfants d'Israël dans le désert du Sinaï venait, comme par exemple les nuées de gloire, comme on a dit, en d'autres termes, la manne,
le puits de Myriam et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi ? Car tout cela est venu par le mérite d'Abraham Avinu, qui lui a été bien avant le don de la Torah, le Har Sinaï lui-même, à divulguer la Torah, à convertir par achat de Yétro, convertir ceux qui voulaient se convertir, les nourrir, leur donner à manger, la manne, leur donner à boire le puits de Myriam, comme vous l'avez constaté avec les anges. Et étant donné qu'Abraham Avinu était à lui tout seul l'équivalent de tout le don de la Torah, eh bien Bamidbar vient rappeler le mérite d'Abraham. C'est la même gématria que le mot Abraham Avinu en d'autres termes, Abraham seulement. Ensuite, il y a marqué, c'est où être roche, kol adat béni Israël, et mishpechotam, levet avotam, c'est où être roche, kol adat béni Israël. En d'autres termes, ici, on parle des dirigeants, des familles, les mishpechotam, levet avotam, de la maison de leur père. Maran ben Ishra explique quelque chose de nifla, je vous demande de bien écouter, c'est magnifique ce qu'il dit ici. Écoutez bien. Chova alenu labit alatov, shebechol yehudi veyehudi. Nous avons tous l'obligation de nous concentrer que sur le positif de chaque juif sur terre. Les mishpechotam, les vet avotam. Et quel rapport avec le verset? Le verset nous dit, c'est où être roche, vous releverez la tête. En d'autres termes, donc dit le Ben Ishraï, il y a lieu de regarder le point positif dans la tête d'une personne qui est juive. Kol adat ben Israël, de toute personne, c'est kol adat, de toute l'assemblée des enfants d'Israël, qu'ils soient tzadiques, qu'ils soient moyens ou qu'ils soient rachats. Les mishpechotam, les vet avotam, et le secret se trouve dans ces mots-là. Les mishpechotam, les vet avotam, de leur famille et donc des chefs de famille que nous avons à l'intérieur. Même si ce juif-là ne vit pas toutes les mitzvot de la Torah, qu'il n'est pas encore shomer mitzvot, ça veut dire que les lamed alav zechut besanegoria. Nous avons l'obligation de lui trouver un mérite et de protéger ce juif-là, même s'il n'est pas encore shomer shabbat ou mitzvot. Ou le chol apachot ou makpid. Dans quoi, par exemple, il dit ici un chidouche extraordinaire. Il dit en quoi on pourrait trouver un mérite à une personne qui n'est même pas shomer mitzvot et qui ne se comporte pas spécialement bien. Il dit, c'est marqué dans la Torah, le Ben Ishraï, les mishpechotam, les vetavotam. Le fait qu'il soit marié avec un juif ou une juive et qu'il a créé un foyer juif malgré tout, c'est-à-dire que le couple, la femme et l'homme, soient juifs, c'est, écoutez bien, Nizar Mnisouin Atarovet Imagoim, qui a fait très attention de ne pas se marier avec des non-juifs, Zoé Gvar Srutat Souma Laem les Israël. C'est un mérite qui est énorme dans le ciel de se marier des juifs avec des juifs. Les Mishpechotam Levet Avotam, c'est où, comme c'est marqué, c'est où Et Roche Kolad Ben Israël. Vous relèverez la tête des enfants d'Israël. Il dit, mais par quel mérite si la personne, elle ne fait pas ni Torah ni Mitzvot? Il dit, mais la Torah te donne la réponse. Les Mishpechotam, si la famille, elle est juive, le père et la mère sont juifs. C'est déjà un mérite tellement important dans le ciel qu'il mérite toute notre attention pour lui dire félicitations. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara n'a pas de repos pour cette Avera, presque sans réparation, d'être marié avec un non-juif. C'est un interdit de la Torah. Et la Torah, Midoraita, dit le Ben Ishraï, les Mishpechotam Levet Avotam, rien que de voir un juif marié avec une juive ou une juive mariée avec un juif, c'est amplement suffisant pour lui dire « Behemet, tu es digne d'être un enfant d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. » Tellement le Yetzer Hara fera tout pour la Hitbolelout, pour l'assimilation. Il dit plus que ça encore, Slicha, de peur que ne... Comment est-ce que tu éteins la nation d'Israël? Comment tu peux tuer le peuple d'Israël? Il n'y a qu'une façon de le tuer. Il y a deux façons exactement. Alpisode. Si tu sors tous les enfants de la terre d'Eret Israël, c'est la fin, sachez-le. C'est pour ça qu'ils jamais y arriveront. Il y a toujours eu des familles en Israël. Ce qui fait que j'ai vu ça, dans, je crois, dans le Zohar, je ne m'en rappelle plus, où j'avais vu ça il y a des années et des années, que si Chas Vesham, il n'y avait plus un seul juif en Eretz Israël, le monde redevient Tohu Vavohu tout de suite. Ce qui fait que si on est tous en Chutz Laretz et qu'il y a une seule famille juive en Eretz Israël, une seule famille juive, on vit tous grâce à lui. On lui doit tout. Ce qui fait que de là, ne croyez jamais que vous faites de la Tzedaka à Israël. C'est celui qui vit en Israël qui vous fait de la Tzedaka. Les gens n'arriveraient jamais à comprendre ça à cause de l'assimilation. Ouais, si on n'était pas là, comment vous ferez? Altidag, Kadosh Baruch Hu t'a donné le mérite d'aider Israël. Si ce n'est pas toi, ce sera un autre. Ne lève pas trop les mains. T'as guide plutôt Toda de ce mérite. Baruch Hashem. Il dit comme ça. Les Mishpechotam, les Vetavotam, Shem, Akpidim, les Inase, Rak, Betor, Ben Israël. Et c'est quoi la deuxième? La deuxième façon d'exterminer les Juifs, le Alenu Velo Alechem, Chas Veshalom, c'est l'assimilation, comme on l'a vu dans le livre, dans la paracha de Balak. Qu'est-ce qu'il a fait, Bilam? Il a dit, tu veux tuer les enfants d'Israël? Envoyer les goyotes qui se marient avec des goyotes. Et là, malheureusement, c'est la chalchelette, c'est-à-dire, chas v'shalom, la descendance du peuple d'Israël. C'est pire que toutes les guerres et plus que tous les pogroms.
c'est l'assimilation. Quand nos fils juifs se marient avec des non-juives, c'est pas qu'elles sont pas bien, des fois elles sont très jolies, elles peuvent être sympathiques, c'est pas là qu'est la question. C'est que l'enfant n'est pas juif. Et donc, tu n'as plus de descendance. Tu as coupé la vie du peuple d'Israël. Et le Ben Ishraï, il dit, cette mitzvah-là est si importante que dans la paracha de Bamidbar, qui représente le désert, c'est-à-dire la galoute, le plus grand mérite des enfants d'Israël, c'est de ne pas s'assimiler, de ne pas se convertir à d'autres religions comme ils sont maintenant sur Hoth. Ceux qui ont un abonnement sur Hoth auront une grande mitzvah de quitter immédiatement cette chaîne qui aujourd'hui a ouvert 3 chaînes pour la conversion au christianisme en Israël, Hoth. Ouais, ils ont ouvert 3 chaînes maintenant, et c'est dans tous les journaux, où il y a des séminaires pour conversion au christianisme, et malheureusement, Haïfa, ils ont déjà fait un massacre de convertir des juifs au christianisme, Hachem, Ishmor, Virachem. Chacun sa religion. T'es goy, tu crois en cette religion, fais ce que tu as à faire. Mais Am Israël, c'est Am Israël, et on chasve Shalom de se convertir. Et c'est ce qu'il dit, les Mishpechotam, les Vetavotam. Rien que si la famille elle est même traditionnelle, mais elle est juive, ça mérite chez nous toute notre estime. Comme ça dit Maran Aben Ishraï, ou Et Roche, relevez la tête des enfants d'Israël, de l'assemblée d'Israël, car leurs maisons sont juives. Et rien que ça, ça mérite tout notre amour, notre estime et notre compliment. Donc, Marod Mamash Ma'anien, on fait encore 2-3 psukim et puis on passe à l'autre chiour tout à l'heure, si Dieu veut. Vous savez qu'on a des noms. La paracha la plus longue de la Torah, c'est parachat Nasso. En général, elle tombe toujours ou avant Shavuot ou après Shavuot. Pourquoi ? Pour montrer combien on a soif d'étudier cette Torah, qu'elle ne finisse pas. Donc, c'est la paracha la plus longue, Nasso. Bamidbar, elle est toujours, en général, comme dit Shulchan Aruch, avant le don de la Torah. Les noms, je crois que c'est la paracha où il y a le plus de noms, comme j'ai dit tout à l'heure, Bamidbar, c'est du début à la fin que des noms. Toute la paracha se parle des noms, des chiffres, combien on était. Parce que ça vient faire une allusion au fait que quand on est dans la galoute, à Kadosh Baruch Hu, il compte les enfants d'Israël comme des diamants. Il a peur de nous perdre. Par contre, en Eretz Israël, on nous comptait moins entre nous. Mais en galoute, Dieu dit, vous êtes combien là? Vous êtes combien ici? Chaque juif est très précieux. Et on a des noms. Et on se demande pourquoi les noms sont ici. Qu'est-ce qu'ils cachent? Vous savez qu'il y a le pardès dans la Torah, le pshat, le remez, le drash et le sod. Mazé, les noms qu'on a. Dan, Achiezer, Ben Amishadai. Au niveau du nom, ok, on comprend que lui était le chef de la tribu de un tel. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu me donnes ces noms? Qu'est-ce que moi, en 2020, en étudiant ça, ça me rapporte? Ça veut dire que quand tu fais Shtamir Chavichatarum, comme on a fait ce matin en Beth Midrash, ben c'est un peu barbant. Franchement, tu n'apprends rien. Si ce n'est que des chiffres, des noms, et quand tu sors dehors, comment tu vas le vivre? Nachon, arrête, il y a marqué Loïd Midrash Aïkar Lamassé. Tu dois vivre tout ce que tu étudies. Comment je peux vivre un nom qui est donné ici comme Dan Achiezer Ben Amishadai? Quel rapport? Omer Lecha, Pashut Meod. Yehudi, Shemesayeh, Avaozer Lecha, Av Ben Israël, un juif qui vient et qui fait toujours attention à ce que ses frères ne manquent de rien. Et il a les moyens de les aider et il le fait. Iske besrarzot, shakadushu isaya bado. Le salaire qu'il aura, disent les chachamim, c'est que Akadosh Baruch Hu accompagnera son nom partout où il va, comme on a vu avec le nom de Yosef. Et la shechina reposera sur lui, parce qu'il aide ses frères. Il ne vit pas que pour lui. Il s'inquiète qu'ils aient de quoi faire Shabbat, qu'ils aient leurs enfants dans les Talmud et Torah, que Bezrat Hashem ne manque de rien. Il peut les aider, il les aide. Alors la shechina repose sur lui. Il dit d'accord, d'où tu apprends ça? Il dit des noms. Mazé, comment il s'appelle? Les Dan, celui qui juge. Achi Ezer, qui se comporte comme un frère vis-à-vis des autres. Achi Ezer, mon frère m'a aidé, car nous sommes tous frères au peuple d'Israël. Ben Amishadai, Mazé Ami, Ami Imi, Dieu sera avec moi. Du nom, Besachakol, d'une personne, Achi Ezer, parce que mon frère, Imed, Da'ayenu Yehudi, Sheo, Zer Lechav, un juif qui aide son frère, Iskeliot Amishadai, Imishadai, ça veut dire Dieu, il sera avec moi. Et quel nom de Dieu? Shin Dalet Yud, Shomer de la Tot Israël. Dieu te protégera sur tous tes chemins, Klomar Iske, Shakadulchou, Nikra, Shadai, Iye, Imo. Le Dieu de la promesse, puisque tu aides tes frères, te donnera les moyens de les aider encore plus, et toi, tu réussiras sur toutes tes affaires. Tout ça venu simplement d'un nom donné dans la paracha. Et c'est comme cela pour chaque nom donné dans la paracha. C'est-à-dire que en analysant l'étymologie des noms donnés dans la paracha, nous pouvons tout à fait retrouver des enseignements à vivre chaque jour de nos vies
Comme par exemple, si tu veux que ça aille dans ta vie, si tu veux une bonne parnassa, une des plus grandes ségoulas, c'est quoi? Aide tes frères. Une fois, une personne était partie voir un rave, il lui a dit, voilà, ça n'a pas du tout au niveau de la parnassa, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, t'as encore un peu d'argent? Il lui a dit, ouais. Il lui a dit, achète des tefilines à ceux qui n'en ont pas. Il lui a dit, voilà, rave, je suis nouveau voir parce que je n'ai pas d'oseille. Je me demande si j'ai un peu d'oseille, vous me demandez, avec cet argent, d'acheter des tefilines pour ceux qui n'en ont pas. Il lui a dit, oui. Alors il est parti et il l'a fait. Il a acheté 1000 paires de téfilines. C'est lui qui raconte lui-même cette histoire. Et quand il a acheté ces 1000 paires de téfilines, il a eu un donateur qui lui a construit un binyan à l'époque de 12 millions de shekels. Vous savez de qui je parle? Pas de qui je parle. Celui qui a raconté cette histoire n'est autre que le Rav Pinto, Ishayahu Pinto. C'est lui qui a raconté cette histoire à la radio. Il a expliqué comment il a commencé. Il n'avait pas une thune. Il est parti voir un Rav. Et le Rav, il lui a dit, si vraiment tu n'as pas du tout d'argent, il étudiait à l'époque, même avec Patrick, il m'a raconté, dans un petit appartement, il y a très très longtemps à Ashdod, ils avaient à peine un minyan. Et il est parti voir un Rav, il lui a dit, voilà, on n'a pas d'argent du tout, comment on fait, c'est très très difficile. Il lui a dit, reste un peu d'argent, il lui a dit, achète des tefilines. Ils ont pris tout l'argent qu'ils avaient, ils ont acheté 1000 paires de tefilines. Et c'est ce qui est marqué ici, grâce à ça, grâce à Dieu, Rav Ishayahu Pinto, tout le monde le connaît aujourd'hui. Voilà, on finit avec un dernier verset pour cette paracha. Ve'ayuli alevim ani Hashem. Et c'est bizarre parce que ici est marqué Ve'ayuli alevim, et les Lévi'im seront à moi, ani Hashem, car je suis Dieu. Mais excuse-moi, c'est inadmissible de lire une chose pareille dans la Torah. Les Lévi'im sont à Dieu et nous, on n'est pas à Dieu. Ça veut dire que celui qui n'est pas Lévi ne serait pas à Dieu. Qu'est-ce que Hashem veut dire par là en disant ani Hashem, je suis Dieu? Il dit tout simplement, écoutez bien, Tseoé kama malat shevet Lévi. Étant donné que les Lévi'im, Bezrat Hashem, n'ont pas de territoire sur le territoire d'Israël, mais vivent dans la maison d'Hashem, Abichurim, la voix de Bebet Amigdash, mais comme Akom Levim, Isharu, Danetzach, Maalatam, Igdushatam. Ce sont des gens qui vivent tout le temps dans la maison d'Hachem. Donc il dit Ani Hachem, ils sont tout le temps avec moi. Vous, vous allez dans votre travail, vous allez sur vos territoires, surtout le territoire d'Eretz Israël, vous allez en dehors de la terre d'Eretz Israël, mais les Lévi'im, eux, ils ont un rôle, c'est qu'ils restent toujours près de moi. Ça, c'est au niveau du Drash. Maintenant, si on approfondit, pourquoi Dieu dit une chose pareille? Et les Lévi'im sont à moi, je suis Dieu. Il dit parce que les Lévi'im ne m'ont jamais déçu. Vous avez fait la faute du veau d'or, mais les Lévi'im n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Tout comme je suis resté kadosh, les Lévi'im sont toujours restés kadosh. Et la fin, on apprendra combien est grand celui qui, Béhémet, reste fidèle à Hachem, que même s'il est tombé, la plus belle des choses qu'il puisse faire, c'est de se relever et de redevenir très vite fidèle à Hachem, pour que lui, Hachem, lui dise à lui, Lévi, ça vient du mot livoui, qui veut dire celui qui m'accompagne. Tant que tu accompagnes Hachem, Dieu te dit, moi je suis à toi. Mais le jour où tu me laisses tomber, tu vas aimer d'autres dieux ou autre chose, chas v'shalom. Les autres, asu la haim v'ihayu, rachitivot, il est marqué, asu la haim v'ihayu, slicha, otiot, ol. Ça aurait remez le hot le mima, mar chazal, maya se adam v'ihye, et qu'est-ce que fera l'homme pour vivre? Yamit atzmo. Il se tuera pour l'étude de la Torah d'Ayenu. Shitol al ktafav, ol Torah, v'yamit atzmo, be'oel shel Torah, que quand il est en train de rentrer au Bet Midrash, ça rejoint ce qu'on a dit, minashamaim, il y a quelques jours à propos du retour des minyanim dans les synagogues. Il dit « Ol, mazé Ol, quand tu vas à la synagogue, quand tu vas au Baté Midrashot, Midrashim pour étudier la Torah, prends sur toi le Ol, tout ce qui est dur, fais-le, comme de te taire, comme de venir pour étudier, pas pour parler, pour Bezrat Hashem, étudier une Torah loin de ton portable, parle, parce que le portable est devenu vraiment, aujourd'hui, un élément extraordinaire pour vivre, pour travailler, pour vivre en communauté. On s'envoie, fait des teilim, plein de choses, mais c'est aussi un appareil où là où il y a du miel, il y a automatiquement des mouches. Le Yetzer Hara est très présent pour t'envoyer des messages en pleine étude, que tu te déconnectes de l'étude, que tu sors parler, que la reine te dit, prends sur toi le hall. Quand tu es avec moi, Hachem, il te dit, t'es pas avec ton portable, t'es avec moi à 100%. Voilà, Bezrat Hachem, c'était pour la Refoua Shlema de David, Nechem Mendel Ben Chava Frecha, et l'élévation de l'âme de Sarah Bat Sarah Zichrona Libracha, acheté par Yekutiel Ben Esther, Bracha Batzlacha, Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Sameach. Et tout de suite, on fait un cours sur le mois de Sivan, puisque c'est Rosh Chodesh Sivan. Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée d'Afka au mois de Sivan? On vous donnera sur cela, Bezrat Hashem, 10 explications dans un instant. Kol Tov.